Ma famille est originaire du Pays Basque. C'est une région dans le sud-ouest de la France qui est particulièrement connue pour son vin et sa gastronomie. Et voilà, on aime échanger, cuisiner, sortir. C'est une région très conviviale qui est également reconnue pour son authenticité, sa singularité, ses traditions et sa simplicité. Et dans cette région, il y a un sport tout aussi singulier qui est la pelote basque, voilà, dans lequel on a plusieurs sports, dont la chistera. La chistera, en bas, ça signifie petit panier. Donc c'est une forme en osier que l'on fixe à l'aide d'un gant sur une main. Et en fait, avec une balle que l'on relance contre le mur, on la réceptionne et on relance contre le mur. C'est un sport avec lequel la balle peut aller jusqu'à 300 km/h, un des sports où la balle est la plus rapide au monde. Alors, sous le couvercle, on retrouve une multitude de petits picots en forme de chistera. Donc, durant la cuisson, la vapeur d'eau s'accumule sous forme de condensation sous le couvercle. L'eau ruisselle. Cette forme, en fait, a la particularité de réceptionner les gouttes d'eau qui ruissellent, de les accumuler pour les faire tomber sur la préparation sous forme de pluie. Donc, cette innovation permet de garantir aux aliments en train de cuire leur saveur et leur moelleux. Sur le marché, on trouve généralement des cocottes dont le couvercle est bombé. Et en fait, la particularité d'un couvercle bombé est que ça a tendance plutôt à faire ruisseler l'eau vers l'extérieur, les limites extérieures du couvercle, et donc plutôt à assécher le produit qu'on est en train de cuisiner. Donc pour le projet de la Sauteuchtaube, l'idée c'était d'appliquer un élément comme sur la cocotte classique, mais sur des couvercles de forme ronde, voire ovale, et tout en étant bombé. Donc l'idée c'était de créer un élément qui puisse permettre, pour les mêmes qualités, de redistribuer les gouttes d'eau de manière homogène sur la cuisson des aliments dans la cocotte. Donc j'ai réfléchi à une forme asymétrique, en forme de virgule, qui m'a évoqué naturellement la forme de la chistera, qui sur le même principe, la chistera récupère la balle pour la relancer, se forme aussi récupérer la goutte d'eau pour la faire accélérer par sa forme. Et la goutte d'eau grossissant, au bout d'un moment, arrive dans une forme dans laquelle, au bout d'un moment, celle-ci chute, voilà, sur les aliments. Et donc l'idée, c'est de placer ces éléments aussi de manière homogène sur le couvercle pour avoir une optimisation de résultats. Donc c'est un système innovant qui permet d'élaborer des plats typiques du Pays Basque que me cuisinait ma grand-mère, tels que la piperade par exemple, ou également le poulet basquaise. Mais c'est aussi un jeu d'enfant de cuisiner une ratatouille, mais aussi un risotto, et cela préserve toujours le côté savoureux et moelleux du produit.